On peut pas tomber sur des galions pleins d'or et de pierreries à tous les coups. On tombe jamais sur des galions pleins d'or et de pierreries. On tombe toujours sur des galions pleins de trucs débiles. Oh oui, débiles. Alors, il faut voir les choses de façon positive. Ce sont de beaux objets, tout émaillé à froid. Admirez ce galbe, cette brillance, et puis ces robinets, un travail d'orfèvre. Ouh, ça fait chic dans une salle de bain. On n'a pas de salle de bain. Eh ben, défaut d'or et de pierreries, il faut savoir se contenter de bidets. En ce moment, c'est dur pour tout le monde. Pour Irvin le requin, le roi des aigrefins. Et Pouic Wanda. Alors, Victor, tu fais un bide avec tes bidets. Il y en a pour qui c'est moins dur que d'autres. C'est quoi cette horreur qui te donne une mine de déterré? De la poudre de méduse. C'est la dernière mode à Carthagène. Avec des cheveux gluants et un suaire, tu ferais un parfait zombie. Scampi le zombie, Scampi le zombie. C'est pas possible d'avoir une famille aussi arriérée. Youhou, c'est moi. Devinez ce que je vous rapporte. Victor, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tous ces bidets? Ça peut servir à des tas de choses, un bidet. Regarde, ça peut faire un chapeau original. On n'est pas à Carthagène, ici. Ça peut faire une soupière pour quand ta mère vient dîner. Victor, laisse maman en dehors de ces bidets. Eh ben alors, une mangeoire pour sac à main. Vous êtes tous contre moi. Moi, tes bidets, ils m'intéressent. Génial! Voilà un enfant qui a de l'imagination. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as? T'es toute pâle? T'es malade? C'est rien, c'est un maquillage à la mode. Tu veux dire un maquillage à la morgue? Je vais passer une petite annonce pour changer de famille. Buvons à la santé de nos capitaines qui nous ont rempli les poches. À nos capitaines. Buvons aussi à nos navires qui filent belle allure. À nos navires. Buvons surtout à nous-mêmes, les plus fliffs et canailles des Caraïbes. Chirville a fait une excellente saison de piratage, sauf nous. Pourtant, Lance-à-Moile n'a rien envie aux autres bateaux. Une ville belle allure, lui aussi. Et dans le genre fief et canaille, on est pas mal non plus. Plus fievé que les autres même. C'est bon, voilà. Le capitaine, il nous remplit pas les poches à nous. En plus, il est menteur. Feignasse. Tricheur. Trouillard. Ah, bien. Brutal. N'importe qui fera un meilleur capitaine que lui. Même Magicouli. Moi. Ah, puisqu'on te le dit. C'est ma maman qui serait contente si j'étais capitaine. Malheureusement, on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Magicouli. Maman? Elle va pas te manger. Madame, venez! Venez avec nous! Et merci, Couli nous parlait justement de vous! Te voilà, toi! Je sais que j'aime pas que tu traînes le soir. À ton âge, c'est pas prudent. Il a quand même 35 ans. J'ai rien fait, maman. On faisait rien de mal, madame! On était seulement en train de dire que Mac Bernick, il commençait à nous courir sur les oursins. De mon temps, quand on n'était pas content d'un capitaine, l'équipage élisait son capitaine. Élisait comme dans un livre? Mais non, tête de bulon, comme dans un vote. Un vote, parfaitement. C'est la tradition. Vous pensez à ce que je pense? Oui, on commande une autre tournée de trous la panse. Un double pour moi. Pile en vermoulu. Pas le moindre petit galion en vue. Commandant. Quoi?
On voulait vous poser une question. Une question? Et on voudrait savoir ce que vous pensez de la tradition. La tradition? Mais c'est très bien, la tradition. Sans tradition, il n'y a plus de piraterie. Et dans ce cas, vous n'aurez rien contre le fait qu'un équipage élise son capitaine. C'est la tradition. Et quand vous aurez fini de nettoyer le pont, exercice de naufrage. Je vous en fiche, moi, de la tradition. On y va. Votre papa qui va être content de vous voir toute belle et propre. Oh, mais c'est ravissant, vraiment. Chou de neuf. Ouais. Mon bébé tout. Ça, c'est ce qui s'appelle rouler à tombeau ouvert. Un galion espagnol. Tous avec moi. Et ça saute. Oui, oui, oui. Eh ben, Oumba, quoi. Il n'y a plus de Oumba qui tienne. Moi et mes camarades, on a décidé une mutinerie sans préavis. Une quoi? Enfin, voyons. Des gentils hommes comme vous, vous n'allez pas profiter de la situation, hein? Ils vont me le payer. Ils vont me le payer. Mais aide-moi, imbécile. À condition que vous écoutiez nos revendications. Pas question. Tant pis. Il exagère quand même, Sprat. Une minuterie, une mutinerie, ça fait pas de cadeau. Ne fais pas ça. Tu sais bien que je sais pas nager. Machicouli. Je suis avec le capitaine. Alors, on discute. Ah bah alors, d'accord. On discute. On a votre parole? Oui, oui, ma parole de pirate. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Alors, capitaine, vous avez réfléchi? T'as de la chance qu'une parole de pirate soit sacrée, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez? On veut changer de capitaine! Quoi? Oui? Le capitaine de la Samuel, maintenant, c'est moi! Comment ça, toi? Pourquoi pas moi? Moi! Vous avez dit que je pourrais faire un meilleur capitaine que le... Quoi? Un capitaine qui confond tribord et pas bord? Laisse-moi rire! Moi, bien sûr! Parce que j'ai le plus gros QI de tout. Tribord, c'est main droite, et pas bord, c'est main gauche. Tu veux monter dans ton QI? Ah, mettez-vous d'accord! Vous ne pouvez pas être capitaine tous les trois. Et pourquoi pas? Ah bah, si vous êtes capitaine tous les trois, qui va faire l'équipage alors? Gardez les voiles! Il m'a
morue à marquer. J'ai jamais été doué pour les deux, moi. Et on se dépêche. Corgue. Corgue. Il faudra faire la poussière, Moussaillon. Et ce vaisseau est une porcherie. À demain, Matelot. Et soyez à l'heure, hein. Je pourrais avoir le chapeau pour aller voir ma maman, hein. Commandez. Commandera bien qui commandera le dernier. C'est capitaine d'eau douce me le paieront. Et la note va être salée. Le calme et la sérénité du foyer. Y a pas mieux pour oublier les problèmes du boulot. Je vais encore devoir supplier Pénélope de faire retirer la plainte qu'Irvine a déposée. Tu trouves ça drôle, Bigorneau? Ah non, bon, qu'est-ce qu'il a encore fait? Non content de faire prendre un bain forcé à la famille Le Requin, il a troué de part en part la coque de l'écumoire avant de dévaster le magasin de pompes funèbres. Tu as fait ça? Bah ouais. C'est bien, mon fils. Tu es un vrai McBernick. Victor? Oui, ma sardine argentée. Ton chapeau, qu'est-ce que tu as fait de ton chapeau? C'est vrai, sympa. Tu t'en sépares jamais, tu prends même tes douches avec. Ah, je l'ai prêté à Sprat. Non, à la sardine. Enfin, je veux dire, à ma chicoulard. Enfin, à l'un d'eux. Victor, me cacherais-tu quelque chose? Te cacher quelque chose? Ma petite tablette en sucre? Allô? Tu sais bien que ton tatar, il est incapable de te mentir. Il ne s'est rien passé aujourd'hui? Eh ben, la routine, ma mouette adorée. La routine. Bon, n'en parlons plus. Quant à toi, tu vas aller faire tes devoirs. Bon, maintenant il va falloir récupérer mon commandement avant que quelqu'un soit au courant. C'est ma maman qui a été con. Ouais, et c'est mon tour maintenant. Je m'excuse, messieurs, mais l'Otari Globe n'est réservé qu'aux seuls officiers. Capitaine Sprat, capitaine La Sardine, capitaine Machikouli. Nous sommes les nouveaux commandants de Los Samuel, mon ami. Los Samuel. Mon ami. Oh, oh, blase. Et en plus, j'ai le vertige. Voilà. Ne pas regarder en bas. Ne pas regarder en bas. Voilà ma mort. Où ça? Où ça? C'est mon tour. Mais attends, j'ai même pas eu le temps de bien voir. À moi. Bâbord gauche, tribord droite. Non, à moi. Non, toi, tu as déjà un chapeau. Je peux voir, hein. C'est un galion espagnol. Je peux voir, dis, je peux voir, hein. Je l'ai demandé en premier. C'est un galion espagnol, en effet. Il faut l'attaquer par vent de voûte. Je peux voir, je Mais peux pas voir. Du tout. Il faut l'attaquer par vent arrière. Par vent de voûte, il y a. Où ça, je ne vois rien, moi. Monsieur Tétaral, tu t'adresses à un capitaine. Je suis tout autant capitaine que toi, je te dis vent arrière. Vent de voûte. Hé, t'as ton mot à dire, toi aussi? T'es aussi capitaine? C'est vrai, ça. Et moi, je dis qu'il faut les attaquer par... bâbord, tribord, toutes. Vent de voûte, vent de cornet. Bâbord, tribord. Vent de voûte. Bâbord, tribord. Vent de voûte. Bon, c'est plus la peine, hein. Le galion, il est trop loin maintenant. Ben, c'était pas très net. C'est vrai, faut toujours passer derrière les employés. Et puis le travail manuel. Après une rude journée de responsabilité, ça détend. Si tu veux continuer de te détendre,
Tu peux faire aussi le sol du salon. Je n'ai pas. Eh merde, capitaine, on a priorité sur les femmes de Matelot. Vous vous êtes réveillé sur la tête ou quoi? Ah, votre mari vous a rien dit? Et qu'est-ce qu'il aurait dû me dire, mon mari? Bah, qu'il y a eu une mutinerie. Et que maintenant, c'est mon petit Machicouli qui est capitaine. Une mutinerie? Victor, va falloir qu'on cause. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite sardine argentée? Victor, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mutinerie? La mutinerie, Victor. Une mutinerie, quelque part? Oui, sur l'os à moelle. Voyons, mon oursin au miel, s'il y avait une mutinerie sur l'os à moelle, je serais le premier à être au courant. Parce que tu n'es pas au courant. Encre de bois, encre de fer, si je mange, je vais en enfer. La mère de Machicouli a dit... Qui tu préfères croire? La mère de Machicouli ou ton gros mirou doudou? Y a pas eu une mutinerie? Jamais, mon petit flétan vanillé, y a jamais eu de mutinerie. Bigorneau, qu'est-ce qui t'arrive? À l'école, ils ont dit comme ça que papa, il était même plus le capitaine. Ouais, même que mes copines m'adressent plus la parole. Alors moi, je leur en ai mis une, même plusieurs. Victor, je veux la vérité. Je compte jusqu'à trois. Mais enfin, c'est un complot, une cabale. Il faut pas croire. Il faut pas croire tout ce qu'on raconte. Bon, d'accord, d'accord. Il y a eu une mutinerie de rien du tout. Toute petite, riquiqui. Je voulais pas vous embêter avec ça. Alors c'est vrai? T'es plus le capitaine? Non, c'est provisoire. Mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Je contrôle la situation. On s'installe ici. Une maison de capitaine, c'est pour les capitaines. Le code de la piraterie est formel, madame. Un capitaine peut, s'il le veut, prendre possession de l'habitation de son équipage. Laisse-moi passer! C'est à toi de me laisser passer, tête de mulet! Tu maîtrises la situation, hein? Oh, ma bibiche des mers, dis-moi quelque chose. Je parle pas aux menteurs. En attendant, on s'installe où? On va construire des cabanes dans la forêt, comme des vrais boucaniers, hein, Jit? Sac à main, tire-toi de... Ma poudre de méduse! Scampi! Le retour du zombie! Yeah. Voilà qui me donne une idée particulièrement tordue. Ils ne se sont pas disparus tout de même. Alors? Personne ne les a vus et les enfants ne sont pas allés à l'école depuis 3 jours. Tu ne crois pas qu'ils auraient? Tu veux dire qu'ils se seraient? Tout ça, c'est notre faute. Mais attendez, on suppute là, on suppute. On y est peut-être allé un peu fort avec la baraque. J'ai plus envie d'être capitaine. Moi, au départ, j'étais pas d'accord pour me mutiner. Quoi? On était tous d'accord? Eh ben moi, j'étais moins d'accord que vous, voilà. M'en mettrai jamais. J'ai vu le fond.
fantôme de Scrappy. Je disais que ça pouvait servir à des tas de choses. Bon. Moi. Elle volait dans les airs, je te dis. Et moi, je te dis, t'as rêvé. Maman. Demain, tu devrais pouvoir retrouver par la même occasion ton bateau et ton chapeau. Alors, tu m'en veux toujours, mon huître perlière. En t'épousant, je savais que j'épousais le plus gros menteur des Caraïbes. Allez, au lit. Demain, il y a école. Les meilleures choses ont une fin. Vous êtes vivant, capitaine. C'est merveilleux. Ah, capitaine, capitaine, comme je suis content. Comme je suis content. Donc, nous allons tout redémarrer sur des bases nouvelles. À la fois nouvelles et traditionnelles. Je suis d'accord pour que vous élisiez votre capitaine. Je vote pour le capitaine. Moi aussi. Point, point, point. Oumma. Et après, exercice de naufrage. Et que je n'entende aucune réflexion. Vous avez élu votre capitaine traditionnellement.